ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم برحمتك أرحم الراحمين Serviteur d'Allah, Allah nous a créés dans ce monde pour être éprouvés et pour œuvrer et pour accumuler les bonnes et les mauvaises actions. Et d'ailleurs, quand le fils d'Adam meurt, toutes ses œuvres s'interrompent, sauf trois types d'œuvres. Comme nous allons le voir dans le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Huraira radiallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallama a dit « Quand le serviteur décède, dans une autre version, quand le fils d'Adam décède, ses bonnes œuvres s'interrompent. » Sauf dans trois cas. Une aumône dont les bénéficiaires continuent à tirer profit. Un savoir dont on continue à bénéficier. Ou un enfant pieux qui invoque Allah en sa faveur. Serviteur d'Allah. Allah a fait de ce bas monde un lieu dans lequel on œuvre. Les serviteurs y font des provisions de bonnes ou de mauvaises œuvres pour l'au-delà. Où se dérouleront le jugement et la rétribution. Quand ils quitteront ce monde, ceux qui ont mal agi regretteront de ne pas avoir accompli de bonnes œuvres de manière à goûter au bonheur dans l'au-delà. Mais les regrets seront alors inutiles. Aucun serviteur ne pourra augmenter ses bonnes actions, serait-ce du poids d'un atome. Et aucun d'entre eux ne pourra effacer le moindre péché de son registre. Toutes les œuvres s'arrêteront quand il mourra, sauf trois cas mentionnés dans ce hadith, qui sont en fait ces trois cas, les conséquences et les fruits des œuvres qu'il a accomplies de son vivant. La première catégorie et la première œuvre est l'aumône continue, l'aumône dont les bénéficiaires continuent à tirer profit. C'est le cas du legs d'un bien foncier, des fruits desquels on tire profit, des ustensiles légués dont on peut faire usage, du legs d'animaux qu'on peut alors utiliser comme moyen de locomotion ou autre, des livres, des exemplaires du Coran dont les gens tirent profit en les lisant, ou des mosquées, des écoles, des maisons et autres bâtiments légués pour le bien public et l'intérêt commun. Pour tous ces legs, les récompenses en découlant continuent à être comptées en faveur de leurs donateurs aussi longtemps que quelqu'un en tire profit. Lui, il en gagne des récompenses. C'est là un des plus grands mérites du legs. C'est particulièrement vrai dans le cas des legs à but religieux, comme ceux faits pour diffuser le savoir religieux, la science, comme tout ce qui peut aider la religion d'Allah, tabarak wa ta'ala, comme le fait de permettre à certaines personnes de se consacrer à l'adoration d'Allah, ou à l'étude de la science, ou à l'enseignement, et autres raisons similaires. C'est ainsi que les savants ont émis comme condition du legs que le but soit de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala et dans les voies du bien. La seconde œuvre et le second cas des œuvres qui continuent après sa mort, qui ne sont pas interrompues, c'est le cas du serviteur mentionné dans le hadith qui est qu'il lègue un savoir dont les gens tirent profit après sa mort. C'est le cas du savoir transmis aux élèves apte à le comprendre et à le transmettre, ou bien au savoir diffusé au commun des gens, dans les prêches, dans les discours, dans les conférences, dans les enseignements, ou bien dans les livres, dans les écrits que le défunt a écrits dans diverses catégories du savoir dont l'utilité est avérée. Aussi longtemps
que ce savoir continue à être enseigné, que ce soit oralement, que ce soit par le biais des livres, que ce soit par le biais des audios, que ce soit par n'importe quel biais. Aussi longtemps que ce savoir continue à être enseigné, il en gagne les récompenses et ceci s'ajoute au registre de ses bonnes actions et de ses bonnes œuvres. Or, combien de savants vertueux de l'islam décédés il y a maintenant des siècles de cela voient leurs livres continuer à être étudiés et leurs élèves continuer à diffuser leur savoir génération après génération. Et ça, c'est une grande grâce de la part d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car les récompenses ne cessent d'être écrites pour eux tant que les gens profitent de leur science. La troisième catégorie et la troisième œuvre qui est mentionnée dans ce hadith, c'est un enfant pieux. Et il invoque Allah, tabaraka wa ta'ala, du fait de cette piété pour son géniteur. Que cet enfant soit un enfant direct ou bien l'enfant d'un enfant ou l'enfant d'une fille, qu'il soit un mâle ou une femelle, cela ne change rien. Ainsi, l'enfant pieux ne cesse d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de ses parents pour qu'il leur pardonne et qu'il leur fasse miséricorde et qu'il élève leur degré et multiplie leurs récompenses. Les œuvres mentionnées dans ce hadith sont celles dont Allah tabaraka wa ta'ala parle dans le verset de Sourate Yassin, le verset 12, où Allah tabaraka wa ta'ala dit, dans le sens des versets, « C'est nous qui ressuscitons les morts et écrivons ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, ainsi que les traces qu'ils ont laissées. » Les savants ont dit, « Ce qu'ils ont fait pour l'au-delà, c'est-à-dire les œuvres qu'ils ont eux-mêmes accomplies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et les traces qu'ils ont laissées, c'est-à-dire les conséquences de leurs œuvres accomplies par autrui ou dont d'autres personnes ont bénéficié. » Donc, ce hadith vient détailler ce verset. Les bénéfices des œuvres du serviteur qui continuent à être inscrites dans son registre après sa mort se divisent en trois catégories. Premièrement, ce que d'autres personnes ont mis en pratique par sa cause, parce qu'il les a incités ou parce qu'il les a orientés vers cela. Par exemple, dans sa vie, il a orienté des personnes et leur a enseigné à faire une pratique, et ces gens, ils continuent à le pratiquer après sa mort. La deuxième catégorie, ce sont ceux dont d'autres personnes ont profité, quel que soit le type de profit, en l'imitant dans ses œuvres. Sa récompense sera proportionnelle aux bénéfices que les gens en ont tirés. La troisième catégorie, ce que d'autres personnes ont accompli pour lui après sa mort, comme l'exemple de faire une sadaqa, une aumône pour lui, en son nom, ou bien d'invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en sa faveur. Ces personnes peuvent être ses propres enfants, ou bien même ses disciples, comme les élèves qui ont bénéficié de son enseignement, de ses conseils et de ses recommandations. Elles peuvent être aussi des personnes proches, des amis qu'il l'aime particulièrement, ou même les gens du commun des musulmans. Ces personnes lui feront donc augmenter ses bonnes actions en fonction des services qu'il a rendus à leur religion, du bien qu'il a diffusé parmi elles ou dont il a été la cause, mais aussi en fonction de l'intensité de l'amour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait naître dans leur cœur à son égard et dont les conséquences sont que ces gens invoquent Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur et lui demandent de lui pardonner. Toutes ces considérations entrent dans le cadre de ce hadith. Il faut savoir aussi que quelqu'un peut réunir entre tous ses bienfaits en un. Plusieurs conséquences heureuses peuvent se concrétiser dans une seule et même chose. Comme le cas d'une personne qui a laissé derrière lui un enfant pieux et en plus c'est un savant de l'islam. Ce père, il a déployé tous les efforts nécessaires pour lui, pour l'éduquer dans la piété et en plus pour lui enseigner la religion. Donc, cet enfant pieux, savant, pourra être utile pour lui dans tous ces domaines-là. Car c'est une science qu'il a laissée derrière lui et c'est un enfant pieux qui invoque Allah tabaraka wa ta'ala pour lui. C'est le cas aussi des livres religieux. C'est-à-dire que c'est ces livres à lui religieux qui sont légués ou offerts. C'est-à-dire en même temps c'est un waqf, en même temps c'est une science dont les gens profitent, qu'il a laissée après lui. Enfin ce hadith,
Il incite clairement au mariage, dont l'une des conséquences est l'obtention d'une progéniture pieuse, entre autres intérêts, comme par exemple aussi une épouse pieuse à laquelle il dispense des enseignements religieux qui lui profitera à elle et dont elle-même elle pourra faire profiter autrui autre qu'elle. Donc on voit dans ce hadith, barakallahu fikum, l'intérêt de faire des bonnes actions et de laisser des traces derrière nous. Aujourd'hui, les gens qui sont attachés à ce bas monde, ils veulent laisser derrière eux que du matériel. Ils veulent laisser des traces matérielles, que l'on parle de lui, que l'on nomme son nom dans les choses qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. Ou bien qu'ils laissent des maisons et de l'argent, etc., mais non pas pour les œuvres pieuses. Aussi, on voit dans ce hadith que la meilleure chose que l'on peut faire pour les défunts, c'est invoquer Allah pour eux. Par contre, tout ce qui est lire du Coran pour eux, ou faire les innovations de se réunir les 40 jours, faire un ta'am pour eux, un repas tous les 40 jours, ou un an, tout ça c'est des bid'ah, c'est des innovations qui, par lesquelles la personne elle prend des péchés, et elle n'est ni utile pour elle, ni utile pour le défunt. Au contraire, cela lui fait du mal à lui, et le défunt n'en profite pas car c'est une innovation en islam. Donc la meilleure chose, c'est d'invoquer Allah pour lui, de faire dua pour lui, car s'il y avait une meilleure chose que cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait indiqué. Et il a indiqué aux enfants d'invoquer Allah pour lui. Ou bien de faire une aumône, peu importe, dans une mosquée, dans une école, dans quelque chose qui va durer. Comme ça, il en gagne une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui donne l'aumône, il gagne la récompense de tenir et de solidifier les liens de parenté. Et le parent qui est mort, il gagne les récompenses de cette aumône continue. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وقل رب زدني علما